suis devenu cinéaste, je ne le pense pas. Je n'ai jamais imaginé un jour que je deviendrais cinéaste. C'est quand je suis arrivé en 1995, en Afrique du Sud, à Cape Town, et avec la situation que je me suis rencontré avec en Afrique du Sud, et c'est ce qui m'a poussé plutôt à devenir un cinéaste. Alors, les sujets que moi j'ai beaucoup plus abordés, ce sont des sujets sociaux, d'injustice, surtout aussi des réfugiés, l'injustice sociale. Et ce sont là des thèmes que j'ai beaucoup plus abordés dans mes films, mais aussi des sujets personnels. Vivant en Afrique du Sud depuis plus de 20 ans, et j'ai élevé mes enfants seuls quand ils ont perdu leur maman. Alors j'ai voulu aussi partager cette vie-là, cette expérience de vivre dans un pays étranger où tu n'as pas de soutien, sans famille élargie. Ça dit que c'était un peu ça. Mais aussi, j'ai aussi fait des films pour les autres, pour les gens qui ont été un peu... qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur sens, qui ont perdu leur dignité. Genre, il y a un film que j'ai fait qui s'appelle Forgotten Gold, qui raconte l'histoire d'un grand footballeur congolais qui a marqué l'histoire du football en Afrique et est devenu oublié dans son domaine et se retrouve réfugié dans un pays africain comme l'Afrique du Sud. Donc vous voyez, ce sont des thèmes qui blessent, qui défavorisent un peu les images des gens et que moi j'essaie un peu de les ressusciter dans mes films et dans mes projets. Donc voilà un peu. Mais à part ça, j'ai fait aussi des fictions. Voilà. Donc c'est ça quoi, ma vie c'est le cinéma. Oh, l'Africa Film Festival, ça fait un bout de temps, ça fait vraiment un bout de temps, ça fait très longtemps que j'ai été en contact avec les films festivals. Et d'ailleurs, parmi mes films, il y a beaucoup plus de films qui ont été sélectionnés ici et projetés ici, alors que je n'étais pas là. Alors, cette année, 2021, j'ai eu vraiment de la grâce, s'il faut le dire, de venir moi-même physique pour participer à ces festivals, bien que je n'ai pas amené mon film récemment pour ce festival de cette édition. Donc, c'est depuis des années, c'est plus de 10 ans que je connais le festival.